show my casket's closed. Rap critics to say he's money cash hoes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your Zappa toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. I'll beat for radio if I don't play they show. They don't play my hits, but I don't give a shit. So, Rap Max, try use my black ass. Don't advertise me, give them more cash for ass fuckers. I don't know what you take me as, or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rap, the bitches niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hello tout le monde, c'est Chip. Aujourd'hui, on est là pour le deuxième tutoriel, enfin plutôt le troisième, parce que le deuxième, il y a eu un décalage de son, donc j'ai été obligé de supprimer la vidéo après avoir remarqué ça. Et donc, dans le deuxième tutoriel que j'ai fait, vous allez sûrement pas le voir, mais on avait fait comment débloquer ou acheter des armes avec du sable. Et donc, le tutoriel que j'ai fait avant, qui était un peu spécial, on a fait en fait... On a acheté des armes avec un bloc, avec des blocs de sable en... Ah là là, je perds mes mots. Un pair. Enfin, avec un nombre pair de sable. Donc là, c'était 10, je crois. Donc je crois que c'est censé marcher. Ouais, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Voilà, donc là ça donne un truc, hop là, et voilà. Ensuite, si on remplit le chargeur dès derrière, je vais vous expliquer pourquoi il y a un chargeur derrière. C'est parce qu'au bout d'un moment, une fois que vous avez presque tout rempli, je vais juste remplir ça encore une fois. Check. Hop là, ça tire le piston ici et ça va devoir fermer. Alors, en fait, on va acheter un nombre limité d'armes. Donc par exemple, si c'est des épées, on pourra en prendre que 9. Donc après, le chargeur dans ce système, c'est à vous de choisir comment vous voulez le faire. Et vous pouvez vraiment le modifier à votre guise. Voilà. C'est pas ça le plus important. Le plus important pour le nombre de sables, c'est ici. C'est le chargeur principal qui vous permettra de choisir vos armes. Enfin, choisir combien de sables vous voulez mettre pour vos armes. Donc là, j'avais mis 9. Ou ouais, 9. Alors, 1, 2, 3, 4. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, là c'était 11, oui. 11, et voilà. Donc, je vais juste vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, je vais juste remettre le chargeur, le deuxième chargeur à 0. Voilà. Et voilà. Donc, le chargeur, s'il est comme ça, c'est normal. Ça change absolument rien. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que quand on va mettre du sable, le sable va arriver directement ici pour être poussé. Et ensuite, une fois qu'il y aura un bloc de sable ici, c'est bien pour ça qu'on a mis un piston en fait d'ailleurs, parce que si on met encore un sable, ça va pousser le bloc de lapis, ce qui va activer un système pour activer ce piston qui va le mettre dans ce réservoir. On va appeler ça un réservoir, et donc ça va nous permettre de débloquer des armes, parce qu'en fait à chaque fois que il y a une arme qui passe par ici, et ben ça donne une arme ou un objet. En fait, ça peut carrément être un système d'économie dans votre serveur ou directement si vous faites vraiment chier dans votre jeu. Et donc voilà. Alors on va commencer directement tout de suite. Alors, pour ce tutoriel, je vais faire un chiffre impair. Le chiffre pair, ce qui est différent, c'est que vous faites... je vais vous expliquer en fait pendant le tutoriel, c'est assez bizarre. Alors, pour l'instant, vous faites une petite ligne de blocs. Donc, je vais prendre en fait des blocs de couleur. On va prendre... voilà, non. Vert et... blanc. Vert et blanc. Alors, vous faites une petite ligne de blocs. Comme ça. Vous pouvez faire l'infini, on en a un peu rien à foutre. Et ici, vous avez posé, en fait, là, faut bien réfléchir à combien de blocs vous voulez mettre pour débloquer une arme. Donc nous, on va en prendre 9. Donc vous prenez le nombre de cubes que vous voulez mettre et vous en enlevez 3. Donc 9, ça fait 6. 1, 2, 2, 3, 4, 5 et 6. Or, pourquoi 6? Parce que en fait, il y aura un bloc... un bloc qui sera
Une fois que ce sera rempli, il y aura un bloc qui sera... Ici, je vais vous montrer avec les blocs blancs. Un bloc qui sera ici. Voilà. Un bloc qui sera ici. Et en fait... ouais. Et en fait... Voilà, le bloc qui sera ici, normalement. Ouais, voilà. Oula. Je me suis trompé. En fait, il y a une plateforme juste au-dessus. Voilà, comme ça. Pour pas que ça interagisse avec les pistons. Parce qu'il y aura de la redstone juste au-dessus. Donc, il y aura un bloc de sable ici. Un bloc de sable là. Et un bloc ici. Et donc, en fait, ben, on en rajoute 3. Voilà. C'est vraiment pas clair comme je l'ai expliqué, mais vous comprendrez très vite. Donc, vous allez faire une plateforme de 1 cube au-dessus du piston, donc comme je l'ai fait. Et vous faites une assez grande plateforme. Vous laissez un trou juste ici, derrière les pistons. Et voilà. Voilà, une plutôt grande, grande plateforme. Parce qu'au final, à la fin, on va la modifier, hein. C'est vraiment tout petit ce qu'on a fait. Surtout ici. Alors, non, là j'ai pas besoin de modifier celle-là. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc, ce tutoriel il est assez facile, mais plutôt long à réaliser. Quoique, en fait, quand on a compris le truc, c'est assez facile. Donc, on va commencer à faire ceci. Oups! Alors, vous avez placé une torche de redstone ici, une torche de redstone là et une torche de redstone là. Avec devant un repeater. Comme ceci et comme ceci. Donc le repeater, il a comme attribut de faire passer du courant à travers un bloc. Tandis que si on met la redstone, ça marche pas. Donc voilà, un repeater. Ensuite, on va placer un piston normal ici. Et un piston collant, en fait, juste là. Voilà, donc ensuite, on va relier comme ceci. Pouf. Donc à chaque fois qu'il y aura un bloc de sable qui ira à cet endroit-là, le piston va obligatoirement, enfin normalement le pousser dans le premier chargeur. Une fois que le chargeur sera rempli, il y aura un bloc ici, donc les deux blocs que je vous ai dit, vous pousserez encore un bloc et ça va pousser pour alimenter le deuxième circuit. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir commencer en fait à faire ce petit système-là qui est pas forcément très très compliqué, mais qui est quand même une chose à comprendre. Donc là, je vais juste faire encore une petite largeur. Donc le système, celui-ci, va donner une arme, activer les pistons, tous ces pistons-là, et c'est tout. Alors, on va commencer par en fait faire un inverseur ici. Ouais, pouf, comme ceci. Plus loin, comme ça. Encore plus loin, ici. Car en fait, ici, on va faire un petit circuit. Donc, le petit circuit qui va alimenter ce piston. Donc, vous mettez en fait ici deux repeaters avec un espace dedans. Et ici, vous mettez en fait un piston collant avec un bloc de laine qui va en fait passer le courant obligatoirement. Donc, voilà. Ici, vous faites un inverseur. Et vous allez devoir relier avec le. Avec des repeaters le piston. Donc en fait quand on va pas se poser un cube ici, ça va activer ce piston là et au bout d'un moment ça va se rétracter pour laisser tomber le bloc de sable. Donc là j'en ai mis 3, c'est peut-être pas assez, on va tester ça maintenant. Donc j'en mets un là ici, voilà, ça le tire et ça le remet. Ouais, c'est parfait niveau timing. Alors maintenant on va juste limiter le chargeur, donc vous mettez vraiment n'importe où, moi je vais le mettre là. Ça a aucune importance. Et donc voilà. Donc ce petit système là, on va l'utiliser un petit peu plus haut. Parce que comme vous le saurez, ça va donner une arme. Et donc le oula. Le dispenser, il sera en fait plus haut dans la salle. Donc là, on fait la plateforme où le joueur sera posé. Alors voilà, pouf. On fait l'endroit où il donnera son blé. Oups, là j'ai fait une erreur, je fais à chaque fois. En fait, voilà, tac. Le trou doit être au-dessus du cube, qui est au-dessus de la plateforme où il y a en fait le piston juste devant. Voilà. Donc je vais le récupérer plus tard. Et vous faites votre plateforme comme ça. Tac.
Tac, donc ça on peut enlever. Et voilà. Donc je fais ce tutoriel assez vite parce que j'ai vu que dans le deuxième il durait à peu près 22 minutes 56. 47. J'étais presque. Et alors, pouf. Faites votre plateforme, ça en fait. Ça sert à rien ce que je fais là. Voilà, là vous faites votre mur, tout cool. Voilà. Ça, on peut casser ici. Et on va placer un piston collant ici et une laine de couleur là. Voilà, c'est tout. On peut recouvrir. Donc vous voyez le mur qui cache tout. Et voilà. Donc là, on va faire monter en fait le circuit. Le circuit qui va faire en fait. Qui va en fait donner l'arme. Donc pour l'arme, ce que je vous conseille de faire, ça a quand même pas mal de style. Pourquoi j'ai de l'eau? Bref. Ça a pas mal de style. Donc vous placez un dispenser avec un bloc devant. Donc ça va quand même le passer. Et ce que je vous conseille de faire, parce que de toute manière, pour éviter que le joueur tombe dans le trou où on mettra le bloc de sable, vous devez mettre oula, ici. Vous devez le mettre ici. Comme ça, le bloc tombera dans cette petite ouverture. Je vais faire le dispenser plus haut. Voilà, ici c'est bien. Oups, là je fais une erreur. C'est pas grave, je règle ça. Faut que je récupère mon bloc de laine verte. Voilà. Donc, ça on peut recouvrir comme ceci. Donc il y aura le... Vous pouvez directement fermer, hein, ça change rien, normalement. J'ai bien dit normalement. Bah écoutez, je vais tester ça maintenant, en fait, je suis pas vraiment sûr. Donc, check et check. C'est censé donner... Ah mais j'ai rien mis dedans. On va mettre ça. Donc, on va voir si ça marche. Ça donne une... Et non. Faut que je place en fait le repeater tout près. Voilà, comme ceci. Mais mettez un bloc juste devant pour pas que le joueur puisse fouiner dedans. Donc, je vous montre comment ça fait. Tchac. Et ça donne le bout de bois. J'ai pas de bout de bois dedans. Ah mais non, j'ai cassé le machin. Bon, le bloc de laine bleu dans le petit... Dans le petit creux exprès pour le cube. Donc voilà, ici vous faites une plateforme vraiment toute bête comme on a fait avant, sauf qu'il n'y a pas de trou. Une petite plateforme comme ceci. Donc là il y a le mur, donc paf. Et aussi de l'autre côté. Voilà pour la plateforme. Et ensuite ici, tous les... J'ai pas tout manié item ici là. Tous les deux pistons, vous mettez un bloc. Voilà, comme ceci. Et donc, ensuite, on va devoir relier tous les petits blocs que j'ai fait, tous les deux pistons. Donc, on va faire monter le circuit. Paf. Et paf. On fait monter le circuit. Ah, je l'ai mal positionné. Il devrait être là, en fait. Quoi que ça change rien. Check. Voilà. Ensuite, check. Permettra de nous placer en fait un dispenser ici pour passer le courant dans le bloc. Ah, mais j'arrête pas de me failer dans le bloc ici. Voilà. Et de continuer le système. Donc là, on peut directement passer. Je mets toujours un repeater, c'est mon petit tic à moi. On va faire passer du courant pour alimenter le dispenser. Et là, on va agrandir la plateforme parce qu'en fait on va faire exactement le même circuit qu'ici. Donc à la place que qu'il y a qu'un piston qui pousse, il y en aura en fait 6 qui pousseront en même temps, et donc ils devront pousser et se désactiver au bout d'un moment. Donc on va devoir faire cette petite boucle. Donc là on alimente, je vais mettre un petit repeater ici. On n'est jamais trop prudent. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer le petit machin pour faire descendre rapidement un système. Donc vous faites un espèce de petit triangle. Ah là là. Un petit triangle comme ceci. Et donc vous continuez votre chemin jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. Donc pour ce petit système, vous pouvez vraiment le faire
tomber comme vous voulez, enfin mettre la torche dans n'importe quel sens que vous voulez. Et donc je pense qu'on va positionner cette torche en fait ici. Donc il faut qu'elle soit désactivée normalement. Voilà. Donc, on va faire à partir de ça. Pouf. Ouais, peut-être aussi de ce côté-là. Donc on va relier en fait chaque piston. Donc quand on place un bloc, ça active les deux pistons. Les deux pistons et les deux pistons. C'est pour ça que quand on fait un truc pair, quand on fait un chiffre impair, c'est plus facile que quand on fait un truc pair. Parce que comme il y aura 3 de moins, donc si on compte normalement, il y aura un chiffre impair de piston 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7. Donc on sera obligé de faire une deuxième boucle. C'est un peu plus délicat. Donc on va relier donc à chaque petit terrain, vous mettez des repeaters sur 4 qui permettra de bien les synchroniser. Alors on va faire descendre le circuit ici. Donc jack. Ensuite on va pouvoir faire monter le circuit là. Voilà. Et donc ici on va le faire descendre. Bah non, on peut le faire descendre carrément ici en fait. Bah voilà, check. Et donc, normalement, ça devrait être bon. Si j'active ce petit système là, c'est censé tous les actionner. Voilà. Donc, en fait, ici, on va devoir faire un plus grand terrain. Voilà, comme ceci. À peu près comme cela. Et donc ici, on va replacer en fait un repeater. Parce qu'il y aura un autre circuit qui va entrer dans celui-là. Il faut pas qu'il reparte dans l'autre sens. Donc, on va faire descendre le circuit à partir de là. Voilà. Et donc, on relie tout. J'arrête pas de dire. Et donc, et voilà. Ensuite, vous faites une boucle ici. Ouais, comme ceci. Il faut que ça arrive à l'endroit où il y a de la redstone de libre. Donc vous avez placé des repeaters tout le long. Bah moi je vous conseille d'en mettre 3 de chaque côté, hein. C'est pas obligé, mais ça donne un bon délai. Pourquoi en fait on fait cela? Parce que quand on va activer tous les pistons, il y aura encore 2 blocs de sable qui seront coincés entre ici et le bloc blanc. Et donc ils vont tomber plus tard et il faudrait que ça les réactive. Oh là là, je n'arrive même pas à parler français. Non. Oh puis merde. Comme ça. Voilà. Donc faites un délai pour que ça active les plus tard les deux derniers pistons. Donc on relie ça pour qu'il se désactive. On va devoir en fait faire comme avant. Ici on laisse un bloc vide et on fait un inverseur ici. Donc on va devoir augmenter la taille de la plateforme. Voilà. Et donc, comme avant, un sticky piston, une laine, ou n'importe quel bloc, en fait, au final, on s'en bat les couilles. Voilà. On relie ça avec... J'en avais placé 3, moi. Ouais, 3, c'était bien. Mais bon, un délai de plus, ça fait pas grand-chose. Check. Bah, en fait, on peut directement faire comme ça, ouais. Et puis, ouais, non. On n'est jamais trop sûr. Parce que la différence... C'est que le bloc qui va tomber, et là, il y aura 2 blocs qui vont tomber, et ils doivent tomber vraiment jusqu'en bas. Donc, on va tester le système, ce qui me semble plutôt fini. Donc, on est censé mettre 10 blocs. Je vais juste charger le machin de d'épée en fer, en fait, sur le coup. Non, de ça. Voilà. Check. C'est bon. Et donc, 10 blocs. On avait dit, non, 11 blocs, on avait dit 1,
Non. Oh là là, pas 11. 9 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ça me donne un blaze. Donc maintenant, j'ai oublié en fait de faire un truc. Voilà. Donc on va pouvoir casser en fait ce petit machin. Ici, vous allez mettre deux repeaters. Et là. Alors, une fois que le bloc sera ici, donc placé là, on va devoir faire en fait passer du courant ici. Et à partir d'ici, on va faire en fait descendre un petit circuit qui va en fait alimenter le piston qui va fermer le système. Donc, paf. Là, il faut pas mettre de repeater, sinon ça va activer ici et ça va faire complètement bugger. Alors voilà. Hop là. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez faire comme ça. Donc si vous faites comme ça, alors on va mettre en fait le chemin un petit peu plus loin. Voilà. Donc vous pouvez relier le système pour qu'il bloque aussi le piston à chaque fois que vous remplissez une arme pour pas que ça fasse bugger, même si normalement ça ne devrait pas les faire bugger. Donc vous reliez tout avec la redstone. Un ici. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Le piston en fait il va pas bloquer. Ah voilà ce qu'on va faire. Vous allez mettre un bloc ici et un repeater là. Voilà. Donc maintenant que c'est tout bon, on va pouvoir tester. Donc je remplis le deuxième chargeur au maximum. Donc là on peut dire qu'il est rempli au maximum. On remplit ici. Voilà, au maximum. On met le dernier truc. Ça a le poussé, ça a tiré ici. Et donc normalement, voilà, ça a activé le piston. Et on peut plus rien poser. Donc normalement, si le système a bien marché, donc il a pas bien fonctionné. Quoique, je sais pas. Je vais remplir au maximum. Normalement, il ne devrait pas rester un bloc de sable en bas. Donc on active. On active les pistons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est activé? Ouais, c'est actionné normalement. Hop là. Ah. Wesh, wesh. Je vois pas trop ce qui s'est passé. Je vais désactiver. On met les pistons au maximum. On active ici. Voilà, c'est. Ça les a poussés. Ça se retire. Et maintenant, ils devraient mettre. Donc, mettez ici. En fait, j'ai juste pas à configurer les repeaters. C'est pour ça que ça marchait pas. Voilà. Donc, petit fail de ma part. Donc, si on recommence normalement. Voilà. Voilà. On va faire une combinaison. Donc, on remplit au maximum juste pour laisser un machin. Et donc, on remplit 9 blocs. Je vais mettre le jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça donne une arme. Ça ferme le système pour toujours. Et normalement, ici, voilà. Il ne laisse, il n'y a plus aucun bloc de sable. Le petit problème, c'est qu'il en restait toujours deux à la fin. Mais bon, là c'est réglé parce que s'il en reste deux à la fin, ça ferait, ça nous coûterait que 7 blocs par la suite. Donc, on a fini ce tutoriel. Je vous ai bien montré que ça marchait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Désolé de ma voix un peu bizarre et de comment dire? Non, c'est pas mon humeur, mais j'ai l'air un peu endormi. Je viens de me réveiller, il est que 2h30. Et donc, j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain tutoriel. Normalement, pour ce prochain tutoriel, on va quoi? Ouais, on va faire ça peut-être. Ou non. Peut-être un tutoriel un peu qui sert à rien, un autre tutoriel. Ce tutoriel, on va devoir le faire, obligé, mais il sera fait en plusieurs parties à mon avis. Parce que, bon,
C'est assez simple à faire, mais au bout d'un moment, ça devient vraiment compliqué à comprendre. J'essaierai de d'y mettre toute ma joie et ma bonne humeur pour faire ce tutoriel pour qu'il reste le plus cool à suivre. Et donc pour l'instant, je vais vous dire au revoir, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. N'oubliez pas de manger une pomme, c'est bon pour la santé. Allez, ciao!